IBM. Tout le monde pense immédiatement aux géants du monde informatique, International Business Machines, ou encore à indice de bêtises monumentales. Je sais pourquoi pas, invasion de barbares malveillants. Mais pourquoi personne ne pense à indice de bonheur mondial? La première question que l'on se pose donc, c'est comment peut-on calculer ce bonheur, qui bien souvent ne se laisse pas facilement définir. En effet, lorsque notre professeur nous a annoncé l'intitulé du concours, la première idée que nous avons eue était de définir ce bonheur. Mais nous avons alors remarqué que nous en avions tous une vision très différente. Même si je suis en seconde générale du lycée Joseph Saverne de Lille-Jourdain, donc dans une classe où les élèves correspondent à la norme effectuée pour effectuer les statistiques, pour autant, nous n'en avons trouvé presque aucun terrain d'entente. Alors, comment en faire un droit pour tous? Sur chaque site qui définit l'indice de bonheur mondial, on peut trouver un nombre de critères différents pouvant varier de 30 à 70. Mais pourtant, on retrouve toujours les mêmes grands thèmes comme indice d'un monde heureux. En voici quelques clichés. Vous vivrez en paix. J'aurais bien aimé vous dire qu'il y eut autrefois une période dans le monde où même une seule semaine où aucune guerre n'ait eu lieu. Mais ce serait vous mentir. Encore un autre comme « Vous vivrez en sécurité ». Là aussi, je serais heureuse de vous expliquer à quel point nous nous sentons en sécurité dans notre pays, nous au moins, Français. Mais après les événements du 13 novembre 2015, qui n'a pas une appréhension en rentrant dans une salle de concert ou en regardant une coupe de foot à partir des gradins? Je prends encore un autre exemple. On affirme « Vos libertés et vos droits seront respectés ». Mais comment voulez-vous y croire, en sachant que dans le monde, il n'y a que 25 vraies démocraties sur 200 pays? Cela ne représente qu'un huitième. Mais le problème du bonheur est qu'il n'est pas du tout concret, et qu'il est même indéfinissable. Et si on s'interroge dans une démocratie comme la France, sur les droits et les devoirs qui le permettent, on se tourne vers la Constitution. Mais on n'y trouve pas concrètement le droit au bonheur. Alors, pouvons-nous définir ce droit et ce devoir? Un peu d'histoire s'impose donc. Le bonheur apparaît comme un droit en 1793, dans la première constitution française, inspirée des droits de l'homme et du citoyen. Son premier article stipule que le but de la société est le bonheur commun, que les citoyens doivent être égaux et unis afin de rechercher ce bonheur. Guy Carcassonne écrit même en 1996 que le but de la société est de chercher ce bonheur, que qu'une bonne constitution ne peut pas suffire à faire le bonheur d'une nation. Mais en revanche, une mauvaise peut suffire à faire son malheur. L'article 2 rappelle les trois valeurs fondamentales, liberté, égalité et fraternité. Ces trois valeurs nous ramènent au bonheur. En effet, lorsqu'on le cherche, on ne peut nuire à celui des autres. C'est la condition de la liberté. Chacun de nous doit pouvoir le trouver dans les mêmes conditions, c'est l'égalité. Mais il nous faut aussi le partager, car le bonheur collectif est important pour nous tous. Vous l'aurez compris, nous retrouvons ici la fraternité. Ainsi, les valeurs de la République sont des conditions du bonheur. Si le droit au bonheur n'est pas défini dans la Constitution, mais seulement évoqué, c'est tout simplement parce qu'il est très difficile à définir. L'étymologie ne nous en donne qu'un sens général. Il vient de l'adjectif « bon » et du mot « heure », qui vient du latin « augurium », signifiant « accroissement accordé par un dieu à une entreprise ». Mais quelle entreprise? Quelque chose de collectif, en tout cas. Faire le bien autour de soi, répondre à un de ses besoins les plus chers, ou encore croire en un dieu. Mais si nous choisissons une définition, ne pensez-vous pas qu'elle ne pourrait pas convenir à tout le monde? Certains ont besoin de voir les gens sourire autour d'eux pour se sentir heureux. D'autres, d'assister à l'éradication de plus de maladies possibles. Que de ces altruistes. Moi, être devant ma télé avec un bol de chips et une bouteille de coca me suffit amplement. Mais si on devait choisir une définition pour ce droit, je pourrais dire adieu à mes chips et mon coca. Le droit au bonheur deviendrait un devoir et nous ne serions plus indépendants les uns des autres. Nous serions tous soumis au même bonheur. Avez-vous lu « Le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley? Dans ce roman, on nous présente une société dite parfaite, où les citoyens doivent être heureux.
Le bonheur est la loi. La famille, les monogamies, la monogamie et les sentiments en sont bannis. On y lit. Le monde est stable à présent. Les gens sont heureux. Ils obtiennent ce qu'ils veulent et ne veulent pas jamais ce qu'ils ne peuvent obtenir. Ils ne sont jamais malades, ils n'ont pas peur de la mort. Ils sont dans une sereine ignorance des passions et de la vieillesse. Ils n'ont ni père ni mère pour les encombrer. Ils n'ont pas d'épouse, pas d'enfant, pas d'amant au sujet desquels ils pourraient éprouver des émotions violentes. Ils sont conditionnés de telle sorte que, pratiquement, ils ne peuvent s'empêcher de se conduire comme ils le doivent. Et si par hasard quelque chose allait de travers, il y a le soma. Cette vie trop parfaite, sans petite pointe de malheur, est-elle pour autant du bonheur? Peut-on goûter le bonheur sans une petite expérience du malheur? Le bonheur parfait est impossible. D'autre part, le bonheur est une affaire collective. Aristote, en parlant de l'unité d'un peuple, écrit « Ce n'est pas seulement envie de vivre, mais envie d'une vie heureuse que l'on s'assemble en une cité. » Le bonheur collectif est celui d'un groupe que l'on peut dire symphonique. Ce mot grec, symphonos, signifie faire écho, résonner ensemble. C'est ce qui rejoint l'idée d'harmonie au sein d'un groupe et d'entraide. En effet, au sein d'un groupe, je dois m'imposer des devoirs pour ne pas blesser les autres, les aider à créer des moments heureux, afin que le mot bonheur devienne une réalité pour tous. Puis-je être pleinement heureuse si tout le monde souffre autour de moi? Je n'en suis pas si sûre. Mais pourtant, est-ce si facile de concilier le bonheur collectif avec mon bonheur? Parce que la recherche du bonheur est sans fin et que je risque toujours de retomber dans mon égoïsme. En effet, la quête du bonheur est un voyage et non une destination. Puisque quand on pense l'avoir trouvé, que ce soit par des biens matériels comme l'argent ou autre, on n'est jamais réellement satisfait. Comme le dit Constantin Cavafy dans son poème Misaki, où il raconte le long voyage d'Ulysse vers Ithaque, on doit profiter du voyage, étape par étape, en accumulant les expériences. En effet, c'est dans la nature de l'être humain de se lasser des choses qu'il a appréciées. Personnellement, ma plus grande peur est la lassitude. C'est à cause d'elle que nous sommes en perpétuelle recherche du bonheur, inlassablement voués à l'insatisfaction. Nous sommes tous Ulysse. Il est heureux, mais cela ne lui suffit pas. C'est un humain, un mortel, il veut donc dépasser sa condition. Il se bat toujours plus, affronte des épreuves de plus en plus importantes. Il s'est lassé des combats classiques et cherche plus loin. Il va jusqu'à provoquer les divinités et leurs fils. Entendez, il crie même son nom une fois à l'abri sur son bateau. Mais il ne pense pas aux autres, à ses actes, à ses camarades dévorés par le cyclope. A-t-il vraiment en vue le bonheur collectif ou n'agit-il pas par pur égoïsme? Où était son devoir? Finalement, n'est-il pas notre propre miroir? Au bout du compte, la notion du bonheur nous renvoie à la divinité Protée, qui ne pouvait être saisie, car dès lors que l'on voulait l'attraper, elle se transformait en autre chose. Il est donc difficile à définir, à saisir, ou même à imposer. Et pourtant, le bonheur doit être recherché collectivement. Mais je trouve cela fatigant de me poser toutes ces questions. Alors pourquoi ne pas aller consulter le sympathique Épicure? Ou pourquoi ne pas appeler à notre secours le penseur français Montaigne? Avec lui, je dis, quand je danse, je danse. Quand je dors, ben, je dors. Eh bien moi, je vous dis, quand je fais un discours, je fais un discours. Et je ressens du bonheur à m'exprimer ainsi devant vous. Il faut profiter du moment et être à ce que l'on fait. Alors je vous dis, stoccalo, allons vers le bonheur. Efkalisto parapoli. Je vous remercie. Et enfin, kairete, au revoir. Thank you.